C'est là, on est parti sur le 42e épisode sur un Pokénoob. Donc aujourd'hui, je vais commencer. Donc là, il a Ditto Choice Scarf. Donc j'anticipe l'Earthquake, sachant que je connais mon propre moveset, hein, évidemment. Donc j'en profite pour placer un sub. Ça, c'est cool. Son Swellow va pas être une tellement grosse menace, étant donné que je vais pouvoir faire un gros Thunderbolt derrière et avoir un premier kill. En plus. C'est cool. Là, j'anticipe son Shadow Ball. Bon, il a pas trop cherché à anticiper quoi que ce soit, donc c'est un peu dommage. Là, je loupe le Toxic. C'est pas tellement gênant que ça, parce que d'autres Cruanir à la Kazam et ne se prend pas les dégâts de Toxic. Là, c'est un peu bête. Il commence à perdre son à la Kazam bêtement. Là, je peux faire un séisme. Mid-tone. Donc retirer 100 points de vie à son crâne. Donc bon, ça change pas grand chose. J'envoie Stunfish. Histoire 2. En fait, j'aurais dû rester un tour de plus pour le Toxic. Puis envoyer Stunfish. Sauf que je savais pas s'il était plus physique ou spécial. C'était un peu gênant pour moi. Donc là, je place un reste. Je suis un Sleep Talker en fait. Donc là, je vois que... Bon. Il peut pas trop me faire de dégâts. Rock Slide, quand même, il me bourrine. Donc là, je l'envoie grosso modo à la mort, mon Blissey. Il sort plus à grand chose. La Stunfish, histoire de stall un peu. Voilà. Stall les tours de poison. J'ai de la chance, j'ai le Earth Power qui est attendu. Je crois que là, au second, je l'ai encore, ouais. Donc, ça lui retire la moitié des points de vie. Donc, j'ai tué deux Pokémon pour dégager son crédit. C'est pas si grave que ça. Là, j'envoie Ectirin faire une attaque combat. Ça, c'est dommage, je loupe. Je reloupe. Donc, il peut m'attaquer encore une fois, encore plus, bon. C'est pas terrible. Là, je fais Earthquake. Bon, j'en avais marre de Miss. Dommage, je l'envoie son Métamorphe à ce moment-là. Arceus. Bon. Extreme Speed, il me tue pas. Donc, Arceus Roche. Ça a pas l'air très très bon sur ce point-là. Donc là, il me fait un joli surchaud. Je vais pouvoir placer mon Magirev. Placer un sub. Avoir 6% de plus. Donc là, il semblait directement être choice. Étant donné qu'il a pas fait. Il a pas cherché à faire Volt Switch. Donc il semblait être choice en électrique. Donc j'avais énormément de chance de ne rester. Donc là, je fais un Shadow Ball. J'entends qu'un. De toute manière, la baisse de défense spéciale n'est pas. Gênant, je fais Shadow Ball. Et restons à la Kazam. Bon. Ok. Mise Majus aura fait quand même pas mal de kills. Et puis après un petit aquajet. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, regarder cette vidéo. Encore merci et bye.